salut tout le monde, moi c'est Jérôme. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour jouer Delta Blues avec votre guitare électrique ou acoustique. J'ai assemblé plusieurs idées que j'ai piquées à droite à gauche, le tout dans la tonalité mi mineur, penta ou majeur. Vu qu'on a des accords 7, on peut alterner mineur, majeur, penta sur ces accords-là. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui traverse un petit peu le manche. L'idée est donc de maintenir sa rythmique avec son pouce, voilà, au fil des accords, et le reste des doigts auront pour tâche de jouer les licks, voilà, qui suivront ces accords. Pas mal de boulot, vous retrouverez la tab complète sur le lien que je mets en dessous, disponible sur mon Patreon. C'est parti pour la première phase. Jouer, donc on va jouer les trois dernières cordes, sol, si, mi, index, majeur, annulaire. Le pouce on peut le laisser sur le mi, en attendant, même si on ne le joue pas de suite, ça dépend de votre niveau, vous pouvez attaquer de suite avec le pouce si vous le sentez. Et du coup, on va faire nos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Et je ferai un petit slide inversé. Ah, c'est un slide quand même, mais qui va monter en fait. Case 2. Et je me retrouve avec le majeur, case 2, sur le sol. Et j'ai la corde de si à vide en même temps. Pas évident ça. Ok, on a un petit quart de ton hein, sur la corde de demi à la troisième case. Deuxième phase, vous pouvez essayer de rajouter votre pouce sur chaque 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, il va être difficile. Deuxième partie, donc en réponse à la partie 1, plutôt située dans les graves, on va maintenant atterrir sur les aigus. Travaillez-le bien comme ça, déjà pour déjà bien placer votre position pour l'hélix. Partie aiguë quoi. Là on voit que main droite on peut utiliser vraiment un petit picking index majeur, on alterne tout simplement comme on le sent. Là par contre sur le début, pour les deux notes en même temps, je fais vraiment index sur le si, majeur sur le mi aigu. Ouais. Là j'aurai un petit slide. Ok. Puis en deuxième temps, vous revenez, même travail que sur la partie 1, rajoutez votre avec le pouce. Voilà, petite subtilité. Case 10 sur le La, on a également un petit tiré de corde. Voilà, très bluesy et qui fait un son bien sympa. Troisième partie, on va partir d'un accord de La7.
on est toujours en mi, on tient notre mi avec le pouce. Un petit quart de temps sur la corde de ré. Vous pouvez déjà démarrer en travaillant que les cordes aiguës, comme on a vu depuis le début. Le pouce en plus. On peut rajouter des basses sur chaque temps. Voilà. Vous verrez que sur la table, il n'y en a pas forcément à tous les temps. On peut, si on veut, les rajouter sur les temps. Même à ce moment-là, quand on est sur la corde de là, avec l'index, on peut venir rajouter la basse aussi avec le pouce. Ok. Et ça nous amène au 6-7. Et on viendra finir sur un 6-7 de nouveau. Donc on est parti du 6-7. Là on revient à la tonalité de la 7. Petit bend, demi-ton. Dernière basse en mi. Donc, et on revient sur le 6-7. Je vous refais la partie. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit com. Si vous avez des suggestions, des morceaux que vous aimeriez travailler, n'hésitez pas, je vous dis à très vite. Merci et bonne journée.